Bonjour à tous. Voilà, je fais la vidéo comme prévu, comme je l'avais dit. Concernant la légalisation de la pédophilie et l'éducation sexuelle à l'école, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Donc moi, j'ai entendu parler là il y a quelques jours et je ne comprends pas comment il n'y a aucune réaction sur Internet, sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Donc à la rentrée de septembre, apparemment, il y a une loi Schiappa qui est passée. Plusieurs éducateurs ou spécialisés dans ça vont éduquer, vont faire des cours d'éducation sexuelle à des enfants de 0 à 4 ans. Donc déjà, ce qui est déjà bizarre, de 0 à 4 ans, ils vont leur apprendre à se masturber, filles comme garçons, bien sûr, et avec des pratiques. Donc c'est-à-dire chaque enfant va se lever, va aller à côté de l'adulte, hein, et ils vont leur montrer exactement comment se masturber. Donc forcément, je suppose qu'après ça, forcément, il va y avoir des attouchements et même bien pire. Forcément. À partir de... Attendez, quel âge? Je ne me rappelle plus. À partir de 8 ans, ils vont faire en sorte de développer leur envie sexuelle. D'ailleurs, à l'âge de 8 ans, je ne sais pas si ça vous étonne vous ou pas, mais moi, ça m'étonne énormément. D'ailleurs, c'est très choquant. À l'âge de 12 ans aussi. À l'âge de 12 ans, ils vont leur apprendre comment avoir des orgasmes à 12 ans. Ainsi qu'à 15 ans, ils vont leur apprendre à comment se prostituer. Donc ça, c'est... Là, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça dépasse les limites, hein. Et le gouvernement, il prend les gens pour des cons, forcément, mais personne ne fait rien parce que personne ne voit rien ou les gens n'ont pas envie de voir, surtout. Parce que le gouvernement aveugle le peuple avec de l'argent, d'accord? Ce qui est un papier à qui ils ont donné une valeur. D'accord? Ce qui aveugle énormément de personnes dans ce monde, forcément, parce qu'on en a tous besoin. Mais tout cet argent, de toute façon, revient toujours à l'État. Bien sûr, forcément. De quoi j'allais vous... Ah oui, voilà. Donc le gouvernement aussi, quand je vous ai dit, le gouvernement est rentré tout doucement dans le système, avec déjà la légalisation du mariage gay. Hein, c'était pour voir les réactions des gens, pour voir si les gens allaient réagir et soit énervés, ou soit calmes, ou sans réaction. Forcément, il n'y a pas eu énormément de réactions, donc forcément, donc tout ça, c'est merci, c'est joli. Donc tout ça s'est passé, hein, c'est passé tout doucement et bien lentement et bien passé. Donc forcément, la loi est passée, hein, donc les gays ont le droit de se marier. Bon après, moi personnellement, j'ai rien contre les gays, hein, mais bon, voilà, on va dire que c'est pas très normal, hein, si je puis dire, hein, sans offenser personne. Hein. Donc voilà, donc le mariage gay est passé. Ensuite, il y a l'éducation sexuelle à l'école. L'éducation sexuelle à l'école de 0 à 4 ans. Donc en fait, quand ils vont faire passer cette loi, quand ils vont faire passer cette loi, du coup, il n'y aura plus d'âge limite sexuelle en fait. Donc c'est-à-dire que des adultes pourront coucher avec des enfants de 0 à 4 ans, ou même un peu plus. Ça va jusqu'à même un peu plus, quoi. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas. Ça va plus être passé comme viol en fait. De 0 à 4 ans, vos enfants auront le droit d'être, sans être vulgaire, pénétrés, quoi. Je ne sais pas. Personne réagit à ça. Personne, je comprends pas en fait. Là, je vois, j'étais sur Facebook là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Je vois des ceci, cela, bon, par rapport à la vie, l'argent, l'amour, le sexe, tout ce que vous voulez. Mais ça choque personne, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça m'étonne un peu. Je ne sais pas pour vous. Et forcément, ce qu'il va donner après, forcément, quand il va avoir l'éducation sexuelle à l'école, hein, de 0 à 4 ans, donc forcément, l'âge limite va ne plus être, je ne sais plus, 14, 15 ans, je ne sais plus, s'il n'y en aura plus du tout. Donc quand il n'y en aura plus du tout, forcément, derrière, ne vous étonnez pas si la légalisation de la pédophilie arrive. Parce que ce serait tout à fait logique et ce sera la suite de ça, en fait. Et si personne ne fait rien, si personne ne dit rien, forcément... Ça va être une catastrophe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça va être l'enfer sur Terre, en fait. Ça va être l'enfer, surtout en France, en fait. Parce que tous les Français se laissent faire, tous les Français ne disent rien, par peur ou, je ne sais pas, par innocence, j'en sais rien, peut-être, je ne sais pas, ça ne les intéresse pas, mais pour moi, je suis concernée, hein. Moi, j'ai deux filles. Personnellement, envoyer mes filles à l'école de 0 à 15 ans pour leur apprendre ce genre de choses à cet âge-là, je sais pas, moi, ça me dépasse un peu, hein. Après, je ne sais pas pour vous, mais les mères d'enfants ou les pères d'enfants ou les grands-parents ou les grands... comme vous voulez, toute votre famille, je ne comprends pas. Et là, il n'y a même pas une question de religion, hein. Là, il n'y a pas une question de religion. Là, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les judaïstes, tout ça va être touché, hein. Tous vos enfants auront des problèmes plus tard, forcément. Ça, c'est sûr. Donc là, il n'y a pas d'une partie va être touchée, une partie ne va pas être touchée. Là, ce sera tout le monde. Ce sera tous les enfants, en fait. Et franchement, c'est choquant.
C'est choquant, mais je vois que sur Internet, personne ne parle de ça. C'est grave, en fait. Quand je mets des statuts débiles ou des statuts concernant autre chose, le sexe ou autre, je vois plein de personnes qui marquent des j'aime, qui marquent certains commentaires. Mais quand on parle de quelque chose de sérieux, parce que hier, j'ai mis un statut comme quoi j'allais faire une vidéo sur ça, bizarrement, il y a eu trois j'aime, enfin, trois réactions, en fait. Et je comprends pas. Je comprends pas, parce que la rentrée arrive, là. C'est en septembre. En septembre qui arrive. Cette loi est déjà passée, d'accord? Vos enfants, quand vous allez les envoyer à l'école, de 0 à 4 ans, on va les apprendre à se masturber. Enfin, vous, ça ne vous fait aucune réaction, mais moi, franchement, ça me choque et ça me blesse vraiment. Hein. C'est vraiment grave. Hein. Enfin, je ne sais pas, mais même à 12 ans, je ne sais pas comment trouver son orgasme. Enfin, vous ne trouvez pas ça bizarre? À 15 ans, apprendre à compter du plaisir, à avoir de l'argent, à échanger de l'argent? Enfin, bah, après, pour vous, moi, je ne sais pas. Hein. Mais pour moi, franchement, je suis choquée. Donc, j'étais obligée de faire une vidéo. J'en fais pas souvent d'ailleurs, j'en ai fait de temps en temps, mais c'était franchement pour des conneries. Mais là, c'est quelque chose de sérieux, donc je me permets de faire la vidéo, hein, forcément. Donc après, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais moi personnellement, pour moi, c'est pas possible dans ma tête. Après, le seul moyen que je vois, parce que j'ai déjà eu plusieurs vidéos de plusieurs personnes, le seul moyen que je vois, et bah, je trouve que c'est une assez bonne idée, forcément, c'est bloquer le système. Et comment bloquer le système par rapport aux enfants et la scolarité, c'est de ne pas envoyer les enfants, en fait, à l'école. Dès la rentrée de septembre, en fait. Parce que c'est le seul truc qui pourra les bloquer, c'est le seul truc qui vont peut-être les faire réagir. Donc si vous vous dites rien et vous allez envoyer vos enfants à l'école, ne vous étonnez pas que dans quelques mois, ils seront touchés. Forcément, ils seront touchés. Enfin, moi je sais pas, mais moi ça me choque vraiment, là, j'en rigole, mais c'est vraiment ironique, hein. Donc là, moi je sais pas. Faites tourner ma vidéo, faites des vidéos, j'en ai aucune idée, mais restez pas là comme ça à parler de tout et de rien, des trucs inutiles, des trucs futiles de la vie. Là, c'est vraiment grave, hein. C'est vraiment grave. Et imaginez-vous, hein, quand la légalisation de la pédophilie, elle va passer, vous pensez qu'il va se passer quoi après? Forcément, ils vont faire sortir tous les pédophiles de prison, hein. Forcément, c'est une logique, hein. Tout ça se suit, hein. Faut pas être bête, hein, faut pas être naïf, faut ouvrir les yeux, faut arrêter de fermer les yeux parce que c'est important. Vous voyez, tous les pédophiles vont sortir et quand vos enfants seront touchés ou violés, vous ne pourrez même plus porter plainte parce que ce sera même plus un crime, d'accord? Ce sera même plus un viol, ce sera un consentement, d'accord? Il y a même une loi qui va passer que comme quoi, à partir de 14-15 ans, si vous refusez à votre enfant à cet âge-là d'aller coucher, d'aller avoir des relations sexuelles, l'enfant aura le droit de porter plainte contre vous pour atteinte à sa sexualité. À 14-15 ans. Porter plainte contre ses parents parce que ses parents refusent qu'ils aillent coucher autre part. Enfin, moi je sais pas, mais ben voilà. Donc moi je me suis permise de faire cette vidéo hein, pour un peu ouvrir les yeux des gens, même si les gens le savent mais qu'ils veulent laisser les yeux fermés. Moi personnellement, mes yeux sont grands ouverts. Moi j'ai deux petites filles derrière, hein, de 3 et 9 ans. Moi il est hors de question qu'on se permette de toucher mes enfants. Et en plus, le pire, c'est qu'on ne pourra même pas porter plainte. C'est ça le pire, les plaintes ne passeront pas. D'accord? Vous imaginez vos enfants de 0 à 4 ans rentrer chez vous là et vous dire oui maman tiens je me suis touché le zizi tiens j'ai voilà je me suis branlé quoi et puis imaginez votre petite fille qui vous dit à 0 à 4 ans tiens maman je me suis doigté quoi enfin je sais pas mais moi je trouve ça vraiment étonnant c'est choquant mais de fou hein franchement je trouve ça abusé hein après ce qu'il va avoir franchement pour moi je pense que ça va démarrer une guerre hein. Ça va démarrer une guerre parce que moi personnellement s'il y a un pédophile qui touche un de mes enfants ou à l'école, un éducateur sexuel, là, de leurs conneries, là, de je sais pas quoi, de loi de merde, là. Mais moi, je vais pas me gêner, hein, je vais faire de la prison pour, hein. Moi, je vais pas me gêner, hein. Ils vont prendre la virginité de vos enfants, et les garçons, c'est encore pire, parce que de toute façon, vous savez très bien, ça se passe par l'arrière, tout ça. Donc, vous savez pas le choc mental que ça va produire sur l'enfant, en fait. Et comme vous le savez tous aussi, la plupart des enfants qui sont violés, surtout les garçons, deviennent gays, forcément, ou deviennent eux-mêmes pédophiles, par la suite, bien sûr. Parce qu'ils auront des problèmes mentaux, pardon. Ou du moins, et les femmes qui se font violer, les petites gamines, elles n'ont plus d'estime d'elles-mêmes. Et quand elles n'auront plus d'estime d'elles-mêmes, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà senti cet effet-là, mais quand vous n'avez plus d'estime, vous faites tout et n'importe quoi. Hein. D'accord? N'importe quelle proposition qu'on va vous faire, vous allez le faire. Hein. Que ce soit partout, que ce soit autre chose, que ce soit encore quelque chose de plus grave, vous allez le faire forcément parce que vous n'avez plus d'estime de vous. Parce que pour vous, vous ne serez plus rien. D'accord? Vous imaginez que vos enfants, eux, ils pensent ça dans leur tête quand ça va se passer là? Comment ils vont se sentir si on les a touchés sexuellement? Ou s'ils se font violer?
Vous imaginez dans leur tête qu'est-ce qui va se passer? Et vous, les parents derrière, vous diront quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire que c'est normal parce que la loi est passée. Donc il faut laisser les messieurs et les dames vous toucher les parties intimes, quoi, en fait, en gros. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas s'il faut réagir, faut faire quelque chose. Moi, je sais pas. Hein. De base, on fait des enfants sur Terre pour les protéger et pas pour les envoyer dans la gueule du loup. Hein. Après, comme je vous ai dit, c'est le gouvernement qui prend les gens pour des cons. Déjà, ils nous prennent pour des moutons financièrement, déjà. Parce que tout ce qu'on gagne, c'est pour que ça revienne à eux. En fait, en gros, on ne gagne rien du tout. Hein. Je sais pas si vous voyez vraiment le topo, tout retourne à eux. Hein, parce que les courses que vous faites, ça retourne à l'État. Hein. Tout ce que vous faites, hein, vous achetez des voitures, ça retourne à l'État. Même que ce soit du deal où vous travaillez au black, où vous travaillez naturellement, ça retourne toujours à l'État. Donc déjà, même ça, déjà, c'est grave déjà, parce qu'on se fait vraiment monter la tête et nous, on dit rien du tout. Nous, on est là, faut qu'on aille travailler pour gagner de l'argent, pour avoir une belle vie. Non, c'est pas ça. Hein. Vous n'allez pas avoir une belle vie avec ça. Hein. C'est pas ça. Hein. Vous allez gagner de l'argent, mais tout l'argent va revenir à l'État et vous aurez rien du tout, parce que vous êtes obligé de payer tout sur Terre pour avoir les choses, pour manger, pour autre chose, pour sortir. Vous avez besoin tout le temps de papier. D'argent de papier, ça c'est chez tout le monde parce que c'est eux qui ont mis ça dans la tête des gens, d'accord? Que ce papier est très important et qui compte pour vivre. Mais c'est pas ça la vie, hein? Parce que regardez, malgré vos travaux là, même les riches hein, vont être touchés, hein? Il n'y a pas que les pauvres ou les moyens, hein? Il n'y a pas que ça, hein? Tout le monde va être touché pour ça, hein? Moi je vous le dis, hein? Et l'argent ne va pas sauver, va pas sauver vos enfants. Ça je vous le dis très bien, hein? Ça va pas sauver vos enfants, hein? Donc personnellement, voilà, moi je suis choquée, voilà, moi j'étais obligée de parler de ça, parce que franchement, c'est vraiment étonnant qu'il n'y a aucune réaction sur Facebook par rapport à ça. C'est vraiment grave de ne plus avoir de limites sexuelles. Vous imaginez quand la loi va passer, là, elle est déjà passée, celle de la limite sexuelle, mais imaginez quand la légalisation de la pédophilie va passer. Vous imaginez quand vous allez sortir dans la rue et qu'un pédophile, par exemple, vous allez emmener vos enfants dans un parc. Et qu'il y a des pédophiles qui vont attraper vos enfants comme ça et qui vont essayer de partir avec. À part vous qui pourrez vous défendre tout seul, il n'y a personne qui va vous défendre. Parce que même si vous appelez la police va peut-être passer, mais eux, ils auraient l'autorisation de laisser passer ces pédophiles, d'accord? Donc la police ne pourra rien faire pour vous. Même les plaintes ne pourra rien faire contre ça. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de la vidéo, vous pensez ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je trouve ça vraiment choquant. Et pour une fois, je parle d'un sujet vraiment très important et qui me touche, franchement. Parce que là, c'est le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est toucher aux enfants des gens. Je sais pas, mais moi, ça me met hors de moi. Moi, c'est le seul truc qu'il ne faut pas toucher. Moi, je m'en fous. Mais mes enfants, non. Voilà. Après, pour vous, je ne sais pas. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, réfléchissez à ce que j'ai dit. Regardez, il y a d'autres vidéos encore qui parlent de ça partout. Regardez, je ne sais pas, informez-vous, même sur Internet, je ne sais pas, sur Google, marquez, vous allez voir tout ce que je vous dis est vrai, tout ce que je vous dis est vraiment vrai, et ça va se passer. Il ne faut pas laisser les choses se passer pour réagir, il faut réagir avant. Parce que quand ça va passer, tout le monde sera là en train de pleurer, parce que personne ne pourra rien faire quand nos enfants seront violés. D'accord? Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus tard, et voilà, faites attention à vous, surtout à vos enfants et votre famille. Voilà, bye. Alors, Marlène Schiappa a donc confirmé hein, que tous les recteurs de France allaient recevoir un courrier pour qu'on y apprenne le consentement et le non-consentement dans les écoles, c'est-à-dire, entendez bien, les droits sexuels dont on parle depuis quand même quelques années. Ces droits sexuels, bien sûr, seront dès l'âge de 4 ans, puisqu'ils subiront, je dis bien subiront, hein, les droits sexuels 3 fois dans l'année à chaque niveau scolaire. Donc, comprenez bien que vos enfants sont en grave danger, très grave danger, parce que on va vous faire passer ça sous le fait que c'est pour leur liberté, pour leur, pour les défendre, pour qu'ils sachent se défendre, pipeau, pipeau, que pipeau, évidemment. Alors, on m'a accusé aujourd'hui d'être homophobe, parce que j'avais partagé des choses. Ça n'a rien à voir avec l'homophobie, faut arrêter de mélanger tout, vous mélangez tout, c'est... Je ne suis pas homophobe. Je me fous pas mal qu'il y ait des homosexuels ou pas. Je m'en fous, ce sont des adultes. Les adultes ont une sexualité, pardon, qui leur convient à partir du moment où elle est dans le respect de l'autre. Elle ne me pose aucun problème. Ce qui me pose un problème, c'est quand on commence à s'attaquer aux enfants. Depuis des mois, on parle du consentement et du non-consentement. Madame Marion Sigaud, Ariane Bileran ont dénoncé les droits sexuels depuis
quand même quelques années. Ils sont en train d'alerter la population depuis quelques années sans que personne n'y prenne garde et n'en prenne conscience. On alerte les instituts, on alerte les profs, on alerte les parents et tout le monde attend que ça se passe en fait. Alors que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette loi du consentement et du non-consentement, toujours par cette même personne de Chiappa, est en train tout simplement de décriminaliser le crime sexuel, parce que ça reste un crime, quoi qu'on en dise. Pour moi, ça restera un crime. À partir du moment où un adulte a un rapport sexuel avec un enfant, il n'est pas consentant. Il ne peut pas être consentant. Vous comprenez? Il ne peut pas être consentement. Il n'y a pas de consentement à avoir. Donc, en agissant sur la loi du consentement et du non-consentement, on vous fait croire que l'enfant, éventuellement, c'est déjà ce qu'on te met dans ta tête, que l'enfant pourrait être consentant. Et donc, cette décriminalisation engendre derrière que les enfants devront prouver qu'ils n'étaient pas consentants. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'endroit où nous sommes rendus? Est-ce que vous réalisez la gravité des choses? Ça veut dire qu'avec les droits sexuels dans les écoles, dont on parle depuis des mois et des mois, ça veut dire que les juges demain vous diront, vous en tant que parent, quand votre enfant aura un rapport sexuel avec un adulte, de quelque âge que ce soit, non seulement il devra prouver qu'il n'était pas consentant, mais à vous, parents, on vous dira, mais il a eu les droits sexuels, votre enfant, à l'école. Il savait donc de quoi il en retournait. Mais vous voyez pas ce qui est en train d'arriver, vous voyez pas ce qu'ils sont en train de mettre en place, vous voyez pas leur perversité. Pourquoi j'ai parlé de la Gay Pride? J'ai parlé de la Gay Pride parce que j'y ai vu des enfants, j'y ai vu des gens qui traînaient quelqu'un en laisse, qui étaient habillés en tenue de SM. J'y ai vu des gens comme ça. Et quelque part, on est en train de montrer ça à nos enfants comme quelque chose de normal. Mais bon sang, mais est-ce que vous réalisez que ce ne sont que des enfants? Est-ce que vous réalisez qu'ils n'ont rien demandé? Que la sexualité, ce n'est même pas leur problème? Tout ça, on a basé sur les travaux d'Alfred Kinsey. Allez voir qui était Alfred Kinsey. Il a violé je ne sais combien de bébés. Il a fait des expériences monstrueuses sur les enfants. Allez voir qui est Richard Gardner, cette personne dont tous les juges se basent sur ses soi-disant travaux qui n'ont rien de scientifique, absolument rien. J'attends qu'on m'amène la preuve que Gardner était un scientifique, c'est n'importe quoi. Et tous les juges, parce que ça les arrange, parce qu'ils sont dans ce système-là, parce qu'ils sont tous des francs-maçons, et que ce sont tous des gens à la botte des gouvernements, et qui sont en train de détruire l'humanité. Ils sont en train de vouloir détruire nos enfants, parce que le dernier rempart à faire tomber, c'est les enfants. Quand les enfants sont corrompus, le peuple devient corrompu, il n'y a plus rien à faire. Donc vous comprenez bien que la loi du non-consentement et du non-consentement, eux qui nous parlent de fake news, c'est un vrai fake news, parce qu'ils sont en train de vous faire croire qu'ils vont protéger leurs enfants, alors que parallèlement, ils sont en train de demander à tous les recteurs de France de leur envoyer un courrier pour leur dire que chaque programme, dans chaque année scolaire, il y aura 3 programmes. Et c'est pas les instituts qui vont les faire, c'est la LGBT qui rentre. Et c'est la LGBT parce qu'elle aura eu un agrément spécifique, et d'autres personnes, comme, bizarrement, les personnels de la CAF qui sont déjà en train de faire des cours. Donc les instituts n'auront pas droit de regard, et puis certains sont déjà corrompus, donc on ne pourra rien faire. Il y a un tel formatage dans la tête des gens, ça fait tellement effraction dans leur tête aussi à eux, qu'en fait ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train d'arriver. Donc si vous ne reprenez pas le pouvoir, si vous ne vous posez pas les bonnes questions, mais on va dans le mur. Il faut retirer les enfants massivement des écoles. C'est urgent de retirer les enfants des écoles, mais ça doit être massif. Il doit y avoir aucun enfant dans les écoles dès la rentrée scolaire pour boycotter ça, pour demander à ce que ça soit retiré, et que tant que ça ne sera pas retiré, vous refuserez de mettre vos enfants dans les écoles. Faut arrêter. Faut arrêter de croire ce qu'on vous raconte, mais ouvrez les yeux. Et puis, ça vous évitera aussi les vaccins, hein, parce que 11 vaccins, alors qu'on a un taux d'autisme qui est exponentiel en France, quand on a tant de malades, tant d'enfants qui chopent des cancers, qui chopent des maladies auto-immunes, que moi j'appelle auto-gouvernementales, mais ouvrez les yeux, on est en train de créer dans notre propre pays et dans l'Europe, parce que c'est pour toute l'Europe que c'est en train d'arriver, on est en train de faire un peuple de tarés. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Vous allez avoir combien de pédophiles dans les rues? Déjà qu'on s'en sort pas, qu'il n'y a pas de jugement. Maintenant, ils auront même pas un bracelet électronique. Vous aurez même pas les... Mais où est-ce qu'on va? Quand est-ce que les gens vont comprendre? Quand est-ce que les gens vont comprendre que nous sommes en grave danger? Que nos enfants sont en grave danger, en cours un grave danger? Il y a eu des témoignages d'adolescents qui ont déjà eu les droits sexuels parce que ça a été dans des écoles pilotes. Et ce jeune homme témoigne, je l'ai lu, j'ai lu son témoignage, ce jeune homme témoigne qu'il est devenu pédophile, qu'il s'intéresse au bébé après avoir eu 3 fois les droits sexuels dans son école. Et que
Il n'a jamais été fracté d'aucune manière, à part par l'éducation nationale. À part par l'éducation nationale, je répète. Parce qu'il n'avait rien demandé. Parce qu'un enfant, il pose des questions et son parent lui répond. L'éducation sexuelle, d'abord l'éducation nationale, ça n'a aucun sens. Déjà ça, c'est une effraction. Déjà ça, ce n'est pas normal. Ça devrait être de l'instruction nationale et en aucun cas de l'éducation nationale. L'éducation, c'est vous les parents qui faites l'éducation. C'est vous les papas et les mamans. C'est vous qui allez répondre aux questions de vos enfants. En aucun cas, un instit n'a le droit de venir parler de sexualité à votre enfant. Et là, je vous parle bien de sexualité. Je vous parle bien, je ne vous parle pas de science. La science, c'est vie de la terre. Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de sexualité. Dans les programmes scolaires, j'en ai fait passer, dans les programmes scolaires, on apprend à l'enfant de 4 ans quand même à les lire, à les trouver, à les chercher. On apprend aux enfants de 4 ans qu'est-ce qui me fait du bien dans mon corps. Non mais sérieux, mais où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on est tombé? Est-ce qu'on est tombé aussi bas qu'on va accepter ça aussi? On a déjà tellement accepté de choses. On va aussi accepter ça. On doit retirer les enfants des écoles. Parce que l'année prochaine, ce sera trop tard. Vraiment, ce sera trop tard. Il y aura trop de dégâts chez les enfants. Il y a des psychologues qui ont tiré la sonnette d'alarme. Il y a des pédopsychologues qui ont tiré la sonnette d'alarme. Il y a des vidéos partout. Alors, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas coupable d'avoir accepté ce qu'on nous impose dans notre pays. Désolée pour la colère. À bientôt, mes amis.